allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction le Japon avec les J-Wo-1. Ils nous ont sorti un nouvel single, il me semble que c'est pour leur concert, tout simplement le J-Woman Tour. Je sais, le MV est sorti le 5 mars, mais je l'ai seulement vu hier sur YouTube. J'ai pas su m'empêcher de télécharger le single hier et je peux vous dire que depuis hier, même aujourd'hui, je n'ai pas arrêté d'écouter en boucle cette chanson. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça va pas être une découverte en termes musical parce que j'ai pas pu m'empêcher d'écouter le single tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'ai vraiment envie de faire la réaction du MV. Je suppose que ce sera sûrement des sortes de flashbacks de leur concert. En tout cas, je trouve que ce serait normal et conceptuellement parlant, ce serait logique comme c'est une chanson pour leur J-Woman Tour concert, etc. J'aimerais vraiment qu'ils passent une fois en Belgique ou même limite en France et je vais jusque là-bas, mais ce serait mieux sur en Belgique, sur, à notre capitale, Bruxelles. Hein. Les gars, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à venir en Belgique. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient très heureuses tout comme moi. Donc c'est parti, je vais découvrir donc cette MV maintenant. Go! J'aime bien comment ça a été filmé. J'adore leur texture de voix. J'aimerais trop voir la version japonaise de Produce, d'où est sorti le groupe en fait. J'aime beaucoup les paroles. On voit qu'ils sont tous unis. Hein. J'aime beaucoup le violon et tout. Super doué, on voit vraiment qu'ils font la méthode des groupes en Corée, donc entraînement, 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 entraînement. Tu n'as pas besoin de t'adapter de manière non naturelle, un arc-en-ciel apparaîtra naturellement. C'est sympa comme phrase, ça. Dessiner le même rêve. J'aime beaucoup aussi cette phrase, chaque personne a un ton différent. C'est pas parce que vous avez une harmonie, un ton différent de voix, des personnalités différentes que vous pouvez pas vous entendre très bien et même devenir des frères, une famille aussi dans un groupe. Et ça, quand vous voyez cette complicité, cette proximité dans un groupe, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Wow, le monde qui a... J'ai trop trop hâte de retourner à un concert les gars. あなたが
C'est trop chaud. Voilà, les entraînements, le dur labeur et enfin la récompense devant leur public tout simplement, ces sourires, cette communion avec leurs fans en fait. Hein. C'est joli comme plan de vue. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. On dirait un vlog de leur concert, on les voit en studio certes, on les voit aussi quand ils étaient en sorte de vacances. Il me semble qu'il y a une émission TV hein, avec les Jimon. Et tu vois qu'ils ont un peu rassemblé tout ça, je trouve ça super sympa. G1 The Movie 1, ok d'accord. Alors que dire sur Louis V? Bon, la chanson c'est sans appel, c'est vraiment un gros coup de cœur. Après tout, c'est avec G1, j'aime vraiment toutes leurs chansons, vraiment. Là j'ai que quelques albums, vous voyez là, donc j'ai deux versions il me semble. Deux albums, je sais pas si c'est le même ou c'est les... J'en ai 4 en tout cas, mais je sais qu'il y en a un, j'ai 3 versions, et l'autre c'est un full album, mais voilà, ils sont durs à trouver, j'ai pu les trouver sur Vinted, moi personnellement, à un prix quand même vraiment très réduit, qui était vraiment très abordable pour les personnes comme moi qui n'ont pas un budget non plus pharaonique. Mais passons, j'ai beaucoup aimé, comme je le disais à la fin de ma réaction, j'aime beaucoup vraiment les paroles, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'images par rapport... apparemment c'est pour leur G1 The Movie, c'est vrai qu'ils ont sorti un film pour tout simplement les dates de leur concert qu'ils ont effectué au Japon, il me semble seulement. J'aime beaucoup le fait qu'on voit des images de ce film, j'aime beaucoup comment ça a été tourné, j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils ont montré aussi d'autres parties hors concert, on voyait aussi des parties tout simplement en studio, c'était bien ficelé, on a l'impression de voir tout simplement 5 minutes de vlog et je trouvais ça assez sympa. Gros coup de cœur pour la chanson, comme je disais. Maintenant que j'ai à peu près compris les paroles, encore plus kiffance totale. Après tout, c'est G1. J'ai très hâte en tout cas d'écouter leurs prochains nouveaux titres qui vont sortir sûrement cette année. On voit tout simplement qu'ils ont ce lien vraiment fraternel, des amis, une famille, et je trouve tout simplement que c'est beau à voir à travers écran. En tout cas, comme je le dis, très hâte de voir la suite de leur carrière parce que c'est un groupe très, 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 plus que très talentueux. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié la chanson pour leur G1 The Movie. Également le court métrage, on va dire le court MV qui nous ont tout simplement pondu le 5 mars. Désolée si je suis encore en retard. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour de prochaines réactions. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et moi je vous dis au revoir. Bye bye, Simonara.